Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, on se retrouve pour une petite vidéo dans la série Je bricole. Alors j'ai l'autre jour, je vous ai fait une petite vidéo sur la préparation en quelque sorte des, disons une des étapes plus exactement des ATC. Et ben là, je continue. Donc je vous ai dit que je voulais faire une série d'ATC sur la mode, donc je vais essayer de faire un peu dans les années 20-30, voilà, ça va être ça le thème, homme-femme. Donc alors je suis allée sur Pinterest, j'ai trouvé plein d'images, voyez, voyez, plein d'images que j'ai imprimées, que j'ai découpées, comme d'habitude, voilà, et là, hop, vous voyez, on voit bien les traits là où j'ai découpé le blanc. Et donc, vous savez que je n'aime pas. Voilà. Donc, alors au début, j'ai déjà fait de ça avec vous d'ancrer les bords. Mais j'ai fait avec l'encre, la vintage en fait. Hein, voilà, j'avais fait avec les trucs comme ça là. Mais comme là, c'est tout autant sur les grands. Là, ça se fait tout seul, tout autant sur les petits, comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, du coup, je vais faire comme je faisais avant d'avoir de l'encre, avant d'avoir ces petites choses-là, j'utilisais les feutres, hein, voilà. Et c'est vrai que là, ça fait un moment que je ne les utilise pas, parce que je trouve que ça marche très bien avec ces petits encreurs comme ça. Mais comme là, c'est tout petit, je vais faire avec les feutres, les aquamarqueurs, en utilisant le côté brush, donc le brush, donc le côté pinceau, voilà, comme ça. Et là, vous voyez, j'en ai fait un, on voit, je sais pas si, alors attendez, je vais essayer de m'approcher. Oh, non, je vais pas tout laisser tomber. Vous voyez, là, c'est un que j'ai déjà fait, et là, je l'ai pas fait. Là non plus, donc comme ça, vous allez voir, ou pas d'ailleurs, je sais pas si vous allez voir la différence. Voilà, voilà. Donc là, je vous fais une petite vidéo parce que, comment dire, j'ai pas d'idée vraiment, ni d'idée, ni forcément le temps, voilà, pour une création. Parce qu'on est mardi aujourd'hui et comme je vous ai dit, demain, je dois aller à Nantes. Là, j'ai ma copine qui est là. Et donc, j'ai pas, voilà, et comme j'ai... La semaine dernière s'est fait de telle façon et le week-end que j'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais faire. Voilà, je voulais faire plusieurs vidéos d'avance et j'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi. Voilà. Donc, regardez, voyez, hop, c'est fait. Alors, pour les messieurs, ça marche super bien avec le noir, hein, tout simplement. Hein, et hop, voyez, comme ça. Alors, c'est petit, hein, mais je suis en bas. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Alors, il faut vraiment faire bien sur plus vers l'arrière que vers l'avant pour pas que ça déborde. Parce que dans les premières fois que je le faisais, eh ben, ça m'est arrivé plusieurs fois de tout gâcher parce que je débordais vers l'extérieur. Et du coup, ça ne faisait pas joli du tout. Disons, ça a enlevé certains traits. Hop, comme là, la main. Voilà. Voilà, ça fait comme ça. Moi, j'aime bien. Comme ça, je vais dans mes trucs de mode. Et il y aura aussi pour la mode des messieurs de l'époque. C'est vrai qu'on fait toujours les femmes. Et on a pas beaucoup d'ailleurs... Quand on cherche des images, disons, on trouve beaucoup plus de femmes de mode que d'hommes. Il y en a, hein, parce que j'en ai trouvé, donc il y en a. Mais pour 5 de femmes, il y en a une d'hommes, quoi. Voilà, hop. Et donc, je vous dis, j'étais en train de vous dire que du coup, la semaine et le week-end... Eh ben, on fait que j'ai pas du tout eu le temps de faire des vidéos d'avance. Voilà. Je ne suis pas beaucoup sortie non plus, forcément. Donc, il n'y a pas eu de haul spécialement. Parce que c'est vrai que des fois, quand il y a
des courriers qui arrivent, des hauls, des choses comme ça, et ben voilà, ça fait des vidéos rapides sans avoir à réfléchir. Et là, j'ai pas eu. Donc voilà. Par contre, je pensais que j'allais avoir un. J'ai fait un part. Enfin, j'ai une proposition de partenariat, voilà, d'une boutique que je connais pas. Voilà, c'est. Mais je sais pas. Elle est sûrement déjà passée. Hein, il y a déjà sûrement des copinettes qui ont eu des partenariats avec eux, mais bah, je sais pas. J'ai pas vu. Et du coup, au début, je voulais pas. Mais après, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, après tout, c'est du matériel cadeau. Hein. Ils demandent pas grand-chose, ils demandent juste une vidéo pour présenter. Donc, quand c'est comme ça me coûte rien du tout à moi. Au contraire, je gagne puisque j'ai du matériel. Donc, voilà. Donc, je pensais que j'allais la voir. Mais non, j'ai toujours pas. Donc, voilà. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer leur participation. Donc, je pense que ça va être plus peut-être la semaine prochaine que je vais avoir des vidéos comme ça que j'ai pas. Disons des vidéos rapides. Hein. Voilà, moi, j'appelle ça les vidéos rapides. Parce qu'on n'a pas besoin de. Il n'y a pas de préparation. Voilà, c'est pas comme une création. Malgré qu'il y en a des fois qui sont rapides, comme la petite vidéo que je vous ai fait hier, la petite carte d'hier. Franchement, j'étais hyper contente parce que c'était cool. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des petites idées comme ça qui viennent, toutes simples. Et des fois, on les a, c'est devant notre nez, on n'y pense pas. Alors, bon, voilà, j'ai fait les messieurs. Là, alors, je vais voir les dames qui sont enfoncées. Je vais faire aussi, mais là, ce côté-là, ça va. Et je me suis dit que alors, j'ai sorti ce genre de couleurs comme ça. Parce que je me suis dit que pour certaines, ça serait peut-être mieux que le noir. Donc, je vais voir ça. Ouais, je pense que j'ai bien fait. Ouais, si ça va, ouais, c'est mieux que faire en noir. Alors, les petites dames, celle-là, c'est vraiment c'est, je sais pas si elle est intéressante ou pas. Cette vidéo, bah, ça peut donner des idées à des gens. Hein. Il y a beaucoup de débutantes, hein. Évidemment, les confirmées, elles font ça depuis longtemps. Hein. En fait, moi, ça fait longtemps que je fais ce genre de choses comme ça. Et je vous dis, avec les stylos, au début, déjà, tout de suite, quand j'ai commencé à scraper, j'avais, mais vraiment, je n'avais aucune encre. Comme les oxydes distress, tous ces trucs-là, ou même les encres de chez Action, hein, tout ça, je n'avais rien. Et j'ai toujours détesté les bords blancs. Donc, bah, j'utilisais ce système comme ça depuis longtemps, mais c'est vrai que ça m'est arrivé souvent d'abîmer l'image parce que, comme je faisais en noir, et comment dire, je mettais trop, et du coup, ça gâchait tout. C'est pour ça qu'après, quand j'ai eu les encres, je trouve qu'avec les encres, on abîme beaucoup moins. Il y a moins de risques, je trouve. Mais là, c'est tout petit, alors, c'est dit, enfin. C'est plus compliqué d'ancrer avec ça. Quand c'est tout petit comme ça, quand il y a des petits détails, c'est quand même mieux avec les stylos. Mais par contre, c'est vrai, c'est plus minutieux. Voilà. Oh, j'ai oublié un monsieur. Bah, tiens, je vais essayer de faire avec celle-là. Ça correspond plus avec sa couleur. Hop! Là. Hier, j'ai rigolé, je suis allée faire des photos pour le visa avec ma copine. Mon Dieu.
C'est fou. Qu'en plus ils font des choses soi-disant pour simplifier, plus je trouve que c'est compliqué. Et en plus, les photos, elles sont horribles. Mais bon, comme ça, hein, les photos, je comprends pas trop les photos qu'ils nous font faire maintenant pour les papiers. Et ben, des fois, ça nous ressemble même pas tellement. On est obligé d'être là, pas sourire, pas. Alors moi, j'ai des lunettes. Alors vous imaginez quand j'enlève les lunettes, mais c'est horrible, horrible. Je me fais peur à moi-même, je me reconnais pas. En plus, quand vous avez gardé les lunettes toute la journée et que vous allez faire votre photo le soir, vous enlevez les lunettes. Oh là 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 là, mon Dieu. Mais bon, là, hein, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas le choix, mais c'est moche. Voilà, c'est très moche. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah si, celui-là, ça va. Je peux la robe. Hop. Et voilà. Bon, je vais faire je fais un petit peu avec vous. Après, hein, je vais arrêter parce que c'est vrai, c'est pas tellement intéressant comme vidéo. Après, bon, ça fait un peu de blabla. Hein. Je fais un peu de blabla. Hein. Là, pour le coup, je peux. Malgré que ma vidéo d'hier, vous n'avez pas dû avoir beaucoup de blabla, hein, parce qu'elle était rapide, hein, ça change. Ouais, donc je vais compenser aujourd'hui alors. Hop. Et voilà. Et ben moi j'aime bien. Voilà. Non mais regardez ces petites. Elles sont trop mignonnes, ces petites dames. Voilà. Hop, il y a encore une là qui. Voilà. Et donc, mes petites ATC, ben, ça va être avec des petites images comme ça, toutes petites. Parce que bon, c'est pas toujours. Parce que j'en ai plein d'autres, même des années 20, hein, mais elles sont plus grandes. Et pour l'ATC, je trouvais que ça faisait. C'était beaucoup trop grand. Là, vous allez me dire, c'est peut-être un peu trop petit, mais ouais, non, on verra. Non, non. Je mettrai plusieurs. Parce que, hop. Voilà. Après, je vais voir si je trouve d'autres petits accessoires pour ajouter. Sinon, bah, écoutez, il y aura ça. Mais il y aura plusieurs, dans une seule ATC, il y aura plusieurs images. Donc, ça remplira bien l'ATC. Et donc, c'est des ATC, de toute façon, qui ne seront, enfin, qui seront à échanger que quand je ferai la vie. Ce sera par vidéo, en fait. Voilà, je ferai une vidéo où je proposerai donc toutes les ATC à l'échange. Parce que je sais que souvent, quand je fais ça, des ATC comme ça, il y a toujours quelqu'un qui me dit, ah, je voudrais bien échanger et tout. Donc, je vous dis, bientôt. Mais je pense que ce sera après le concours, hein, parce que j'aurai pas le temps. Avant, j'aurai pas le temps, hein, je vous ai dit plusieurs fois. Donc, après le concours, eh bien, je ferai la vidéo où je présenterai toutes les ATC que j'ai à l'échange. Mais je préviendrai avant, voilà, peut-être dans une causerie du dimanche. Je vous préviendrai, comme ça, vous serez au courant. Et donc, après, bah, je suis désolée, mais ce sera première arrivée, première sortie, servie, puisque je tiendrai compte au niveau comment dire, c'est des mails, ce sera par mail, hein. Ce sera pas les commentaires, ce sera vraiment par mail, hein. Donc, le premier mail qui arrivera, et eh ben, ce sera vous voyez? Ce ne sera pas la peine de me mettre dans. De toute façon, je ne sais même pas si peut-être je désactiverai les commentaires. Comme ça, il n'y aura pas de problème de compréhension. Hop. Oh, ma petite dame, elle se sauve. Elle ne veut pas être.
Et voilà. Je ne sais pas trop comment ça fait celle-là, mais... Disons, en faisant comme ça, là, ça fait plus clair que quand je fais avec la vintage, parce que des fois, avec la vintage, pour certaines images, ça les rend plus foncées. Et là, comme c'est des toutes petites images, les rendre plus foncées, ben, on ne verrait pas beaucoup les détails. Hein. Déjà, là, comme ça, c'est petit. Voilà. Hop. Bon, bah, écoutez, voilà, hein, c'est pas... Hop. Je sais pas quel temps il fait chez vous aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, c'est un peu... Il fait froid par rapport à ce week-end qui faisait si beau. On était en manches courtes dehors. Là, c'est sûr que les manches courtes, c'est fini, là. On est obligé de mettre le gilet. Puis, il fait gris. Et il y a du vent. Alors là, j'ai eu des fleurs de lilas par terre. Et j'étais dégoûtée aussi. Ah, hier, je suis allée faire un petit tour dehors, là. Et qu'est-ce qu'il y avait par terre? Une rose. C'était ma première rose qui a fleuri, en fait. Et bien, avec le vent qu'il y a eu, eh bien, elle est tombée, en fait. Elle s'est cassée. Et elle sent bon, cette rose. C'était un rosier que j'avais eu pour la fête des mamans il y a quelques années, il y a peut-être 4 ans. Et il fait des grosses roses, bien roses, mais alors un parfum. Pouf, je vous dis que ça. Et là, j'étais contente. C'était la première de la saison. Et bien, il n'y en a plus. Voilà. C'est mort, c'est mort. Oh, est-ce que je vais faire avec ça? Non, peut-être avec celui-là. Ouais, c'est mis avec celui-là. Voilà. Dis donc, je suis presque arrivée au bout. C'est magnifique. Hop, je dois défaire là encore. Parce que là, si. Hop, les chaussures noires, les collants noirs. Et voilà. Encore une. Tout compte fait, c'est quand même vite fait. Je me disais que ça allait peut-être être plus long que comme je faisais avant. En fait, non, c'est même plus rapide comme ça. Parce que moi, à chaque fois, je faisais sur une. J'en faisais pas à la chaîne comme ça. Mais moi, j'aime pas trop la couleur. Je suis un peu déçue. J'aurais pas dû utiliser. Vous voyez, celle-ci, je pense que ça va pas trop aller. J'aime pas trop ce que ça a donné, le résultat. Je trouve que ça fait trop. J'ai pas utilisé la bonne couleur, en fait. Voilà, voilà, voilà. J'ai ma copine de l'autre côté qui doit s'impatienter. Je vais y arriver. Je l'ai abandonnée toute seule pour venir passer un petit peu de temps avec vous. C'est pas gentil. Hop. Voilà. Mais en même temps, j'arrive pas à vous abandonner. Bon, après, là, vous avez cette vidéo, enfin, là, vous êtes en train de la voir. Donc, on est mercredi. Donc, c'est pas à mon avis, c'est certain, vous n'aurez pas de vidéo demain. Parce que, je vous dis, je vais passer une partie de la journée à Nantes. Ensuite, je rentre, on va en train avec ma copine. On va aller faire un tour sur le Mans. Donc, on va rentrer que le soir. Hein. Donc, le soir, je pense que... Après, m'être levé tôt le matin, parce que faut que je me lève tôt. Enfin, qu'on se lève tôt pour prendre le train au Mans. Et après, le temps d'aller récupérer la voiture et tout, on va rentrer forcément tard. Donc, il n'y aura sûr pas de vidéo. Je ferai une vidéo maintenant que jeudi matin. Donc, vous aurez une vidéo que
je pense, vendredi matin. Voilà. Mais bon, je sais bien, vous allez me dire, mais c'est pas grave. Je sais que c'est pas grave. Mais c'est moi, ça me fait bizarre quand je fais pas de vidéo. J'aime bien ma petite vidéo quotidienne. Ça me donne un petit but. Et puis, je sais pas, j'aime bien être avec vous. Voilà. Allez. La dernière. Regardez-moi ça. Et ben, ça y est. Et en plus, hein, vu. Comment dire ça? Vu que je l'ai fait moi-même, que j'ai imprimé, que j'ai découpé, etc. Ben, c'est économique quand même. Parce que, et c'est moi qui ai choisi ce que je voulais imprimer. Voilà. Parce que des fois, on peut les commander. Hein, mais en sticker, en choses comme ça. Mais il y a les petits bords blancs. Et vous savez que je déteste les petits bords blancs. Tandis que là, ben, c'est comme j'aime. Et ben voilà. Tous mes petits personnages qui vont aller après sur mes petites ATC. Voilà. Donc l'autre jour, j'ai préparé ça avec vous. Donc après, hop, ça va venir comme ça. Et après, je vous dis, je ne sais pas encore. Voilà, je ne sais pas trop comment je vais mettre. Mais vous verrez bien. Voilà. Allez, bah écoutez, merci de m'avoir tenu compagnie. Sur ce, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air qui est assez important pour ma petite chaîne. N'oubliez pas votre petit commentaire que j'aime bien aussi. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.